TAFTA ou TTIP sont les noms du traité de libre-échange en cours de négociation entre les États-Unis et l'Europe. L'objectif annoncé est de faciliter les échanges intercontinentaux alors qu'ils représentent déjà 40% du commerce international. Cet accord menace les législations qui protègent les citoyens, les travailleurs et les consommateurs. Alimentation, santé, services publics, bien-être animal, OGM, environnement, droits sociaux, données personnelles et liberté numérique, tout est sur la table des négociations. Car ces choix de société, construits démocratiquement, sont considérés par les apôtres du libre-échange comme des obstacles au commerce, comme un frein au profit des entreprises multinationales. Autre danger du TAFTA, les nouveaux pouvoirs accordés aux entreprises. Le traité prévoit d'autoriser celles-ci à attaquer devant un tribunal privé les États ou les collectivités locales si elles considèrent que leurs perspectives de bénéfices sont impactées par les décisions de politique publique. Ainsi, l'Australie et l'Uruguay, qui ont mis en place des politiques anti-tabac, sont attaqués par Philip Morris, qui leur demande des milliards de dollars de compensation. Si le traité était déjà en vigueur, des entreprises américaines auraient pu attaquer la France pour son moratoire sur les cultures d'OGM, son refus d'exploiter les gaz de schiste ou son interdiction du bisphénol A dans les bibelots. De tels procès sont actuellement en cours à travers le monde, en application de traités similaires au TAFTA. Accepter le traité transatlantique, c'est renoncer à notre capacité de décider, de construire la société et l'Europe que nous voulons. Nous dénonçons cette négociation qui se déroule en toute opacité, sans les citoyens, contre les citoyens. Nous refusons ce marchandage entre la démocratie et les intérêts de quelques multinationales. Informez-vous sur TAFTA, parlez-en autour de vous en utilisant les outils de mobilisation disponibles. Interpellez maintenant vos élus locaux, vos parlementaires nationaux et européens pour gagner le combat citoyen contre ce traité.